Bonjour à tous. Me voici des années après dans cette piscine que j'avais fait il y a peut-être une dizaine d'années à Tbilissi. Oh, elle est très très connue. Alors je suis vraiment content et triste de revenir dans cette piscine. La bonne nouvelle, c'est que toutes les voitures qu'il y avait ici ont été retirées. La mauvaise nouvelle, c'est que la piscine s'est extrêmement dégradée. Quand je dis extrêmement dégradée, c'est au-delà de la végétation. Ils ont renforcé, bétonné. Là, j'ai trouvé une entrée pour l'instant, mais elle sera peut-être fermée ce soir. Je pense que c'est un petit gâté. Mais elle est tombée un peu en lambeaux, la piscine. On voit bien les gradins. Et en plus, elle a été dépecée parce qu'il restait des lumières. Les lumières ne sont plus là. Donc, comme quoi, la décadence continue, mais c'est une décadence humaine. Alors, je ne sais pas si je vais revisiter parce qu'il y a un bassin de 25 mètres intérieur. C'est bourré de toutous, comme vous pouvez entendre. Et vous savez, moi, les toutous, c'est pas trop mon fort. J'ai une petite peur du toutou. Donc, je ne vais pas trop m'approcher du toutou. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous mes abonnés. Remercier aussi les abonnés d'Instagram qui me suivent pour les 4 petites vidéos que je mets en ligne chaque jour. Ici, alors, nous avons la piscine de intérieur, ce que je vous disais. Nous avons également plus que les saunas, les hammams. Alors j'ose espérer que les toutous ne vont pas m'attendre à la sortie. C'est ma seule angoisse. Alors pour l'anecdote, ah, il y a une dame qui est là, je pense que je vais peut-être avoir des problèmes. On va voir. C'est du direct, vous voyez. Même dans un direct, j'ai quand même m'approché. De la sortie. Non, apparemment, ma présence n'a pas l'air de poser de problème, si ce n'est au toutou. Voilà, donc je réserverai cette petite vidéo pour les abonnés. Elle sera courte, mais regardez les toutous. Là, ceux-là, ils sont tranquilles. Ceux qui sont moins tranquilles sont ceux là-bas qui aboient. Donc, du coup, ça m'intimide pour aller à l'extrémité de la piscine. Je suis vraiment désolé. J'ai peur des toutous. Je ne ferai pas d'exploit ici, de descendre dans le bassin, comme j'ai toujours fait. Bon, Tbilissi, Géorgie, la piscine, la fameuse piscine donc de Olympique qui est abandonnée à Tbilissi, qui est de toute beauté, qui est facile d'accès, voyons, pour rentrer. Alors facile, oui et non, parce qu'il y a quand même toujours un petit risque, hein, nous sommes en Géorgie. Je tiens encore à remercier chaleureusement. Ben, mettez-moi des commentaires. C'est très sympa de mettre des commentaires. J'ai vu qu'il y a quelques-uns, une dizaine qui mettent sans arrêt des commentaires. Je vous en remercie. C'est très prenant, même négatif.
gradins, les gradins de la piscine, qui étaient vraiment sécurisés. Là, il n'y avait pas de soucis. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont pris cher, comme on dit? Il n'y a plus d'algues. Ils sont toutes réutilisées. Tbilissi, Géorgie. Je vous invite dans ce pays qui est merveilleux, à 3-4 heures de Paris, et un vol directement de Paris depuis 8 mois. Merci.